À Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa bonté, merci à Dieu pour sa fidélité, c'est important de le dire, parce que je crois véritablement que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Il est fidèle. Dieu est fidèle dans l'accomplissement de sa parole, ses promesses sont vraies. Amen. Amen. Ce soir, le thème de mon message, il a été annoncé depuis quelques semaines, c'est un titre ronflant, hein, c'est certainement très impressionnant pour beaucoup. Mais en fait, je ne viens pas ici avec une nouveauté, je ne viens pas ici avec une exclusivité, mais avec simplement la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais dire ceci, la parole de Dieu se suffit à elle-même. Amen. Amen. La parole de Dieu se suffit à elle-même. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que la Bible dit ceci, Jésus dit ceci dans l'Évangile, « Je te rends grâce, mon Père, que tu as caché ces choses en parlant des mystères du royaume de Dieu aux hommes sages et aux hommes intelligents. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sage, je ne dis pas qu'il ne faut pas être intelligent, au contraire. Celui qui a de la science, c'est bien. Mais Jésus va dire, tu l'as révélé, tu as révélé des mystères à des enfants. Quand Jésus parle d'enfants, il ne parle pas ici de bébés, tel qu'on peut l'entendre ici, le comprendre, mais il parle de ceux qui ont un cœur, ou peut-être ceux qui ont une approche de la parole de Dieu telle qu'elle, tel est un enfant. Amen. 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 D'ailleurs, pour être sauvé, pour rencontrer Jésus, il faut avoir cette foi d'un enfant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème de mon message ce soir, ce sont les signes de la fin des temps. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce message? Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que Jésus revient bientôt. Amen. Et je suis convaincu aussi d'une chose, même si il n'a pas donné le jour, l'heure, la date, le moment précis, il nous a donné des éléments annonciateurs qui fait que quand vous voyez ces choses arriver, vous êtes obligé de vous poser certaines questions. Et d'ailleurs, Jésus va donner... Je vais prendre le micro à la main, peut-être c'est un petit peu plus simple, parce que je... Voilà. Et d'ailleurs, le Seigneur nous a donné dans sa parole une allusion par rapport à ça en disant à ses disciples, il dit, écoutez, vous savez, regardez l'aspect du ciel, et quand vous voyez le ciel, quand il a telle couleur, eh bien, vous savez que, eh bien, il va faire beau temps, mauvais temps. Et la plupart des hommes qui regardent le ciel ne sont pas forcément météorologues, et non, notamment les vieux chez nous, je me rappelle quand j'étais enfant, eh bien, mon père, il voyait le ciel le soir, quand il voyait une nuit étoilée en plein hiver, il savait une chose, c'est que dans la nuit, il allait égler. Et mon père n'a jamais fait étude de météo. Et la plupart d'entre nous, on sait ça. On sait reconnaître des éléments terrestres, célestes. Parce qu'il y a des choses qui s'annoncent. Et d'ailleurs, Jésus va poursuivre en disant dans l'Évangile, il dit, prenez la comparaison d'un figuier. Et la plupart d'entre nous ne sont pas botanistes, mais on sait. Et l'idée que ces branches deviennent tendres, on sait que l'été approche. Et même si nous ne sommes pas agriculteurs, quand on voit un champ de blé, on sait à partir... que la couleur du blé change, on se dit, même si on n'a pas le calendrier sur les yeux, dès que le blé commence à devenir blanc ou jaune, on sait que la moisson, c'est dans pas longtemps. Non ou pas? Ça, on sait, même si on n'a même pas besoin de regarder le ciel, même pas besoin de regarder un calendrier, on regarde un épi de blé, on sait, ah, c'est dans pas longtemps. On ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure, mais à un moment donné, il y a une moissonneuse qui va passer et le blé va être ramassé. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a des éléments que Dieu met dans le monde aujourd'hui, ils sont gros comme des maisons. Les gens les ont devant les yeux, mais en fait, le monde ne voit rien du tout. Et j'aimerais ce soir vous parler des signes des temps de la fin. Pourquoi? Pour qu'on puisse nous réveiller spirituellement. Amen. Parce que l'une des promesses sur laquelle notre foi est bâtie, sur laquelle notre espérance est bâtie, eh bien, c'est la résurrection des morts. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends le mot résurrection des morts, eh bien, je dis amen. Amen. Parce que je sais qu'un jour, eh bien, ce corps d'humiliation va ressusciter, glorieux, incorruptible pour l'éternité. Amen. Et ça, c'est une espérance glorieuse. D'ailleurs, Paul dit ceci dans l'épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, quand il parle de la venue de Jésus pour son Église, à la fin du chapitre, Paul dit ceci, consolez-vous par ces paroles. Donc ce message a pour vocation de nous avertir, de nous prévenir, de nous réveiller, de nous avertir, mais aussi de nous consoler. Amen. Amen. C'est un message de consolation. Et pour celui ou celle ce soir qui n'est pas chrétien, chrétienne, je prie ce soir qu'un esprit de révélation vienne sur toi et que tu puisses ouvrir les yeux pour voir en quel temps nous sommes et que tu puisses ce soir accepter Jésus. Amen. Parce que si le temps de la grâce nous est donné aujourd'hui, eh bien la Bible nous dit qu'il y a aussi un temps où la passion de Dieu va s'arrêter, où le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre, et j'aimerais ce soir te faire éviter ce jugement. Et le seul moyen, on va voir ensemble, la seule alternative pour éviter ce jugement, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, avant de commencer mon message, d'introduire mon message par un texte,
qui se trouve dans le livre de Michée au chapitre 6 et verset 8, un texte que les prédicateurs connaissent, et où Dieu dit ceci: « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dieu vient avec des exigences qui sont morales, spirituelles. Et je me suis posé une question, et c'est l'introduction de mon message. Pourquoi Dieu s'intéresse à nous? Pourquoi Dieu vient nous donner sa parole? Pourquoi Dieu nous avertit? Pourquoi Dieu vient encore à travers des réunions, à travers des prédicateurs? Quel est l'intérêt de Dieu? Si on, vous et moi, on part du principe que l'humanité tout entière est révoltée contre Dieu, les gens ne veulent pas de Dieu, la société ne veut pas de Dieu, pourquoi il y a encore des réunions? Et d'ailleurs, pourquoi encore ce soir, tu sens dans ton cœur une voix qui t'appelle et qui te dit « Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, pourquoi ?» Pourquoi Dieu s'intéresse à toi? Eh bien, je vais aller très vite dans mon introduction pour aller au cœur de mon message. Eh bien, simplement, tu as été créé par Dieu. La Bible dit ceci, dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 26, « Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. » Tu es attiré par Dieu, tu es comme attiré, comme aspiré par sa présence, par sa parole, parce que tu es sorti de Dieu. Amen. Tu as pour origine le ciel, le céleste, le divin. Tu as été imaginé dans le cœur de Dieu. Ta vie n'est pas un accident de parcours. Si tu es sur la terre, c'est que Dieu l'a voulu. Amen. Alléluia. Et Dieu t'appelle encore. Amen. La Bible dit ceci dans le livre d'Évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était le commencement de toutes choses. Amen. C'est la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par cette parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Donc si tu existes, si tu respires, si la terre sur laquelle tu te tiens est solide, si tes jambes te tiennent, c'est que Dieu dans l'éternité a prononcé une parole et crée l'homme. Amen. Amen. Donc tu es sorti du cœur de Dieu. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Je continue mon verset. Toute chose a été faite par cette parole. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et la lumière, elle a brillé, elle a lui dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les gens du monde n'ont pas reçu cette parole. Les gens du monde, depuis la nuit des temps, depuis Adam, se sont révoltés contre Dieu. D'ailleurs, la désobéissance, le refus de se soumettre à Dieu est une révolte. La plupart des gens qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur et qui prétendent aimer Dieu, eh bien, la réalité, c'est qu'ils sont révoltés contre Dieu. Certains en sont conscients, d'autres en sont inconscients, quoi qu'il en soit. Si tu refuses, tu mets une barrière entre toi et Dieu par rapport à ton péché, eh bien, laisse-moi te dire, tu es un révolté. Il y a une révolte, et cette révolte, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Et je vais vous dire ceci, cette révolte a commencé en Éden. Lorsque le premier homme, Adam, qui était dans un paradis merveilleux, eh bien, a eu l'ambition, ou plutôt s'est laissé séduire par une parole venue du diable, et a commencé à désobéir, et cette désobéissance a entraîné sur lui, sur sa femme, sur la terre, eh bien, toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, et surtout une séparation. Et cette désobéissance a amené l'humanité dans une rébellion contre Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est dans la rébellion. Véritablement. Alors cette rébellion, elle ne va pas se traduire, vous savez, comme une guerre ouverte où on va lancer des missiles les uns contre les autres. Souvent, on a cette image de la guerre où les hommes se battent les uns contre les autres. Mais savez-vous que la guerre qu'il y a entre les hommes et Dieu existe? Elle existe. Mais cette guerre n'est pas une guerre où les hommes vont jeter des projectiles sur Dieu. Mais c'est une guerre morale, spirituelle, où l'homme, par son attitude de refus envers Dieu, de se soumettre envers Dieu, eh bien est en guerre contre Dieu. Est en guerre contre Dieu. La Bible nous dit ceci, cette guerre a commencé en commençant par Adam, en traversant les époques, même à l'époque de Noé, où même le péché a commencé à remplir la terre. On va le voir un peu plus loin. En passant par un homme qui s'appelle Nimrod, dans le livre de la Genèse au chapitre 10. La Bible dit que cet homme Nimrod, la Bible dit sur lui qu'il était un vaillant chasseur au-devant l'Éternel. Cela veut dire non pas qu'il chasse bien, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'oppose à Dieu, c'est quelqu'un qui résiste à Dieu. Et d'ailleurs, cet homme va être le premier homme sur la terre à se proclamer roi, et il va bâtir des villes. Et d'ailleurs, même les villes qu'il va construire sont des oppositions, sont des signes même de rébellion contre Dieu.
Il va en construire deux villes importantes. La première s'appelle Ninive et la deuxième s'appelle Babylone. Ces deux villes ont été rasées par Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ces deux villes étaient le symbole de la révolte contre Dieu. D'ailleurs, dans l'une de ces villes, Babylone, on va construire une tour. Vous connaissez peut-être cette histoire, mais je vais vous la rappeler. On va construire une tour qui va s'appeler la tour de Babel. Et cette tour, contrairement à toutes les idées reçues, n'avait pas pour but de rassembler l'humanité pour une bonne cause. Mais cette tour avait pour but de rassembler l'humanité face à une seule cause, et cette cause, c'était contre Dieu. C'était contre Dieu. Les hommes de l'époque sortaient, eh bien, en quelque sorte, du déluge. On était quelques années après le déluge. Noé venait de sortir de l'arche. Les hommes commençaient à se multiplier sur la terre. Et il y avait encore toujours cette image du jugement de Dieu. Si nous désobéissons à Dieu, eh bien, Dieu va juger la terre. Dieu va nous juger. Eh bien, les hommes ont eu la bonne idée. Merci. Les hommes ont eu la bonne idée pour s'émanciper, se débarrasser du jugement de Dieu. Ils ont dit, on va construire une tour dont le sommet va toucher le ciel. Comme ça, si Dieu veut revenir sur la terre, juger les hommes par les eaux du déluge, alors, nous, on va être à l'abri dans notre tour. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'on va commencer à pécher, faire ce qu'on veut, et comme ça, Dieu ne pourra pas se mêler de nos affaires. Ne pourra pas s'occuper de nos affaires. Il ne pourra pas nous atteindre. Et en fait, cette tour est le symbole de la rébellion contre Dieu. Et Dieu est venu et a commencé à frapper cette tour, à frapper l'humanité à ce moment-là. Parce que Dieu ne peut pas tolérer la rébellion. La rébellion nous sépare de Dieu, mais surtout cette rébellion, ultimement, qui a été instituée par le diable lui-même, va nous amener en enfer. Va t'amener en enfer. Toi qui résistes à Dieu. Toi qui t'opposes à Dieu, toi qui fermes ton cœur à Dieu. Nous vivons une génération, un monde de rebelles, où c'est très tendance d'être rebelle. Mais cette rébellion amène l'humanité en enfer. Aujourd'hui, il semblerait que d'être rebelle, d'avoir un style rebelle, d'avoir des arguments rebelles, c'est quelque chose qui est très en vogue. Mais la rébellion et l'opposition même à ce que représente Dieu, ton Dieu qui t'a créé, l'humanité est en guerre contre Dieu. Et pour illustrer cette guerre, on va prendre ensemble un texte dans la parole de Dieu. Dans le livre des Psaumes. Vous êtes avec moi ce soir. Amen. Si vous avez la patience, eh bien ce soir je pense qu'on va être béni. Si vous n'avez pas de patience, quelques-uns peut-être dormiront. Tant pis pour vous. Hein, moi j'ai pas envie de dormir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a une rébellion, une révolte contre Dieu. Et cette révolte, on va l'illustrer à travers un psaume. Un psaume prophétique, c'est le psaume 2, c'est un psaume prophétique. Où Dieu va dire ceci, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre, c'est toujours avec une interrogation, comme quelque part, Dieu s'interroge, comme si il y avait une incompréhension, le Dieu d'amour tend son cœur vers l'humanité, le Dieu d'amour tend son cœur vers toi, le Dieu de bonté, de miséricorde tend son amour vers toi, et t'appelle, et démontre son amour à maintes reprises. Et Dieu vient et dit, mais pourquoi ces mêmes pensées parmi les peuples? Pourquoi cette révolte parmi les nations? Il y a comme dans le cœur de Dieu, comme une incompréhension face à ce qui se passe aujourd'hui, face à l'attitude de l'homme vis-à-vis de Dieu. Pourquoi ces mêmes pensées parmi les peuples? Pourquoi mon ami, pourquoi mon frère, tu résistes à Dieu? Pour quelle raison t'opposes-tu toujours au plan de Dieu pour ta vie? Pourquoi tu refuses que Jésus vienne habiter ton cœur? Pourquoi tu refuses que le Dieu créateur vienne s'installer dans ton foyer? Pose-toi la question. Mais véritablement, pose-toi véritablement la question. Pourquoi tu refuses de te soumettre à Dieu? C'est si grave que ça de se baptiser? C'est si méchant que ça de prier à un Dieu qui t'aime tellement et qui veut déverser dans ta vie tellement de bonnes choses? Tu veux toujours vivre dans l'immoralité, dans le péché, dans la souillure? Et tu crois que ça va t'amener loin, ça? Je parle à quelqu'un, j'en suis convaincu, dans le nom du Seigneur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les hommes puissants, les rois de la terre, le principe du mot roi va impliquer aussi le mot royaume. Les royaumes de la terre se soulèvent-ils? Et leurs princes, se lit-il, il y a comme une coalition ensemble, comme une coalition d'êtres humains, comme,
c'est un mot très français, comme une synergie de personnes qui vont s'entendre, des hommes importants de la terre, qui vont s'entendre et se lever pour un seul but, un seul objectif, contre Dieu. Et c'est ce qu'il est dit ici, contre l'Éternel, l'humanité, les chefs de la terre, les rois, les princes, se liguent ensemble, un, contre l'Éternel, et deux, contre son oint. Mais qui est loin de l'Éternel? Mais qui est loin de l'Éternel? Qui est loin de l'Éternel? Il y a des chrétiens dans la salle? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pas un prédicateur. Est-ce qu'un chrétien peut me répondre? Qui est loin de l'Éternel? J'entends rien. Vous êtes sûr? La Bible dit ceci dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, pour calmer la délivrance aux aveugles, le recouvrement, pour annoncer sur la grâce, et malgré le message, l'humanité tout en dans un point de contre Dieu, on ne veut pas voir. Il y a une révolte. Il y a une révolte. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire ceci, il y a des signes des temps de la fin. Dans le deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, il y aura des jours difficiles. Mais quels sont ces jours difficiles? Est-ce qu'on va tuer les chrétiens? Est-ce qu'on va les frapper? Quand Paul écrit ces lignes, dans le deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, il y avait des chrétiens qui étaient arrêtés, qui étaient frappés, qui étaient battus, qui étaient emprisonnés, on les brûlait vifs, on les crucifiait. Mais quand Paul parle des temps de la fin, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ce genre de persécution. Il va dire dans les temps de la fin, dans les derniers jours, les hommes seront rebelles, orgueilleux, fanfarons, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs. Il ne parle pas que les chrétiens sont frappés. Il ne parle pas que les chrétiens sont emprisonnés. Il parle d'une résistance, d'une rébellion spirituelle dans les temps de la fin, d'une révolte contre Dieu et contre son oint. Contre son oint. Et c'est ce que nous vivons, frères et sœurs. Et le but de mon message, l'un des buts de mon message, qui va s'adresser à l'Église et aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est que nos yeux s'ouvrent. Amen. C'est que nos yeux s'ouvrent. Pourquoi Dieu nous donne ses commandements? Posez-vous vraiment la question. Pourquoi Dieu nous donne sa loi? Pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Parce que Dieu, bien sûr, est un Dieu d'amour. Et je pense que la plupart d'entre vous le savez. Mais Dieu aussi est un Dieu moral, un Dieu saint. Et dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on va le voir. Parce que c'est le signe majeur des temps de la fin. Nous vivons une société sans morale qui rejette tout principe divin. Tout principe divin. L'un des signes des temps de la fin. Je commence à avoir chaud. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. J'enlève ma veste. Ça risque de devenir long. Alléluia. Amen. L'un des signes des temps de la fin. Vous savez, quand je vais être un peu long, je vois que tout le monde est perdu. Non. Je m'arrêterai à 10h. Amen. Ah, peut-être 10h15. Glorieux. Que... Alléluia. Amen. L'un des signes des temps de la fin. On va le lire ensemble. On va voir ensemble plusieurs versets dans la parole du Seigneur. Celui qui a sa Bible, un stylo, notez les versets, c'est très important. Vous devez méditer la parole. Méditer la parole, ce n'est pas uniquement la lire, c'est la relire, y penser, y réfléchir. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des révélations et à comprendre cette parole. Amen. L'un des signes des temps de la fin, nous sommes maintenant dans le début, dans le cœur du message, on va dire. L'un des signes des temps de la fin, nous allons le retrouver dans le deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, où l'apôtre Paul dit ceci pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que j'aimerais dire ceci avant d'aller plus loin. Nous attendons un événement. Amen. Amen. Un bienheureux événement. Alléluia. Un événement de gloire, un événement de triomphe, un événement de délivrance. Amen. 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 Ça, c'est bon. Mais j'aimerais vous poser une question très, très simple. Quand vous êtes invité à un événement, tel qu'un mariage, à une noce, même si vous êtes quelqu'un de très simple, et je sais que dans notre peuple, nous sommes des gens très simples, Vous n'allez jamais aller dans un mariage avec des bottes en caoutchouc, avec un polaire en pilou-pilou ou en pyjama. Non.
Oui ou pas? Bougez la tête, faites un signe. Non? Même si vous êtes des femmes très simples, si vous êtes invitées à un mariage, vous allez y aller comment? Vous allez au minimum mettre une robe, un peu vous arranger. Eh bien, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, l'événement du Seigneur arrive. Alléluia. Et l'époux arrive prendre son épouse. Alléluia. L'époux vient prendre son épouse. Et l'épouse qui attend l'époux, eh bien, elle doit se préparer pour cet événement. Amen. 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 Cette glorieuse espérance. Pour ce qui concerne l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, frère, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de vous laisser séduire. Parce que c'est de ça qu'il est question. Dans les temps de la fin, la Bible nous annonce qu'il y aura des séductions. Au début de l'Église, au début de notre Église chrétienne, il y a 2000 ans, il y avait de la persécution. Mais savez-vous que Satan est un tacticien? Savez-vous que Lucifer est un fin penseur? Et Satan s'est aperçu avec les siècles que la persécution qu'il pouvait opérer sur les peuples et nations, eh bien, ne freinait pas l'œuvre de Dieu, mais bien au contraire, la faisait grandir. Assez curieusement, plus on tuait les chrétiens, plus il y en avait. Alors Satan s'est dit, oui, je les tue, mais je les amène au ciel. C'est pas ça le truc. Il faut que je les tue, mais que je les amène en enfer. Alors j'ai arrêté de les persécuter. J'ai arrêté de les mettre à mort. J'ai employé ma première technique, ma première ruse. Ça avait marché au début de la création, avec Adam et Ève. Alors ça va marcher aussi au temps de la fin. Je vais les séduire. Et cette séduction, mes frères et mes sœurs et mes amis, elle touche le monde. Elle touche la société, mais elle touche aussi l'Église. Et il y a toutes sortes de courants. Cette séduction vient vers nous avec toutes sortes d'insinuations et de permissions, avec un enseignement comme si certaines choses seraient permises, certains évangiles seraient permis. Il semblerait que les chrétiens veulent bien aller à la réunion, mais ne pas vivre une vie de sanctification, une vie d'abandon. On veut bien de Jésus, mais pas complètement lui abandonner sa vie. On veut bien de Jésus, mais on ne veut pas totalement délaisser son péché. C'est de la séduction. Mon frère, ma soeur, c'est de la séduction. Tu vas me dire, mais dans cette séduction, je ne vois pas Lucifer se lever. Mais sais-tu que Satan a des visages multiples et la Bible dit qu'il prend même des fois l'apparence d'un ange lumière pour te séduire. C'est de la séduction. Quand dans ton oreille, tu entends Jésus qui te dit « Abandonne le péché, abandonne le mensonge, abandonne la fraude, abandonne ta situation de péché. » Et dans l'autre oreille, tu entends une voix qui te dit « Oui, mais après tout, c'est pas bien grave. » C'est de la séduction. Mon frère, ma soeur, c'est de la séduction. Tu dis pas « Amen » à ce que je dis, mais moi je dis « Amen ». C'est de la séduction. Et on pourrait étendre pendant très longtemps sur la séduction, mais je ne vais pas le faire. Je poursuis, verset 3. « Que personne ne vous séduise, va dire Paul. » D'aucune manière, c'est-à-dire qu'il y a tout un arsenal, toute une panel de techniques que Satan va mettre devant nous pour nous séduire. C'est pour cette raison que l'Église doit veiller, elle doit prier. Amen. Elle doit commencer dans cet ordre, d'abord à veiller et ensuite à prier. Il y a des chrétiens qui prient mais ne veillent pas. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent une fois à la réunion, ils invoquent Dieu, ils prient, mais ils ne veillent pas sur leur vie de sanctification. Ils ne veillent pas sur leur relation avec les autres, avec leurs prochains, avec leurs compagnes, avec leurs compagnons. Ils prient, mais ils ne veillent pas, en sorte que Satan les atteint. Mon frère, ma soeur, tu peux prier toute la nuit, mais si tu ne veilles pas sur ta vie, Satan va t'atteindre. Vous dites pas « Amen », mais moi je dis « Amen ». Tu dois d'abord veiller et, dites-le avec moi, je veille d'abord et après je fais quoi? Je prie. Veiller c'est quoi? C'est remettre ma vie en question, accepter la parole de Dieu, m'humilier lorsqu'il y a des réprimandes et m'abandonner complètement à la volonté de Dieu. Dites « Amen ». Veillez, alléluia. J'arrive, « Amen ». Car il faut, va dire Paul, que l'apostasie arrive. Le mot apostasie, c'est assez curieux, c'est, je crois, les frères vont peut-être m'aider, mais je crois que c'est le seul mot grec de la Bible qui n'est pas traduit. Il n'a pas son équivalence en français, en anglais. C'est un mot qui a été écrit comme ça il y a 2000 ans. Vous savez que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec, a été traduit ensuite en plusieurs langues, mais quand
Quand les auteurs, les théologiens ont commencé à traduire la Bible en français, en anglais, en toutes les langues que vous voulez, eh bien ce mot-là, ils n'ont pas donné d'équivalence. Ils ont dit le mot apostasie, en sorte que quand vous tombez sur le mot apostasie, vous ne comprenez rien, il faut avoir un dictionnaire grec pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est, il n'y a pas d'équivalence, ça veut dire que c'est, le mot en lui-même est une prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les temps de la fin, il va se passer un événement qui n'avait jamais eu lieu auparavant, qui n'avait pas eu d'équivalence auparavant. Voilà pourquoi on n'arrive pas à le traduire. Et le mot apostasie veut dire reculer, abandonner, délaisser ou se refroidir. On peut le traduire de diverses manières. Mais le mot apostasie veut dire aussi surtout atteindre l'Église. Atteindre l'Église. Il y a quelque temps de ça, j'ai écouté quelqu'un dire, et pas dans cette Église, pas ici, mais je l'ai écouté, un prédicateur. Tant pis, s'il se reconnaît que Dieu te bénisse, il faut qu'il se repente. Et il disait, en prêchant, il dit, vous savez, un chrétien qui reste 4-5 jours sans lire sa Bible, c'est pas grave. Il dit, moi-même, il dit, ça m'arrive. Il dit, de rester 4-5 jours sans lire ma Bible. 4-5 jours. Ça, c'est de l'apostasie. C'est de la séduction. Vous dites pas amen. Ça, c'est de l'apostasie. Un chrétien, écoute-moi, mon frère, ma soeur, tu te laves les dents le matin? Alléluia! Vous c'est bon, c'est sûr. Mais alors, je sais pas. Vous c'est sûr, hein, c'est certain. Tant pis pour vous. Vous lavez les dents le matin? Non, ils sont pas chauds. Bon, vous c'est bon, vous êtes tout bon. Vous lavez les dents le soir? C'est un peu mieux là. Ça vient même pas l'idée de commencer ta journée sans laver les dents. C'est vrai ou pas? Eh bien, ça doit même pas te venir à l'idée de commencer ta journée sans lire la Bible. Amen. Sans la lire, sans ouvrir un chapitre. De finir ta journée sans lire un chapitre, ça fera jamais de toi un théologien, mais ça fera de toi quelqu'un de nourri. Amen. Et quand on vous entendait quelqu'un te dire, mais c'est pas grave, tu peux rester 4-5 jours sans lire la Bible, ben t'as qu'à rester 4-5 jours sans prier. Reste 4-5 jours sans te laver, tu vas sentir mauvais. Non. Reste 3 jours sans te laver. Je te garantis qu'on ne peut pas s'asseoir à côté de toi. Reste 3 jours sans parler à Jésus. Tu ne sentiras plus Jésus. Tu vas sentir la chair, tu vas sentir le péché et tu peux même sentir l'odeur du diable. L'apostasie, c'est reculer, c'est refroidir. Alléluia. L'apostasie. J'ai écouté cette histoire. Je crois qu'elle est vraie, c'est un prédicateur qui l'a raconté. Il y avait à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il y a quelques années, tous les dirigeants mondiaux qui étaient réunis. Et l'ONU a été fondée en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, justement pour qu'il y ait ce qu'on appelle une coalition des nations, pour qu'il puisse y avoir la paix mondiale. Vous voyez, pour que toutes les nations puissent s'entendre ensemble dans un seul but. Alors, c'est le but ouvert qu'ils disent, c'est la paix dans le monde. Mais en vrai, le vrai but, c'est pas ça. Le vrai but, c'est la paix, mais sans Dieu. Voilà le but de l'ONU. C'est la paix, mais sans Dieu. Nous, on n'a pas besoin de Dieu. On ne veut pas de Dieu pour la paix. On est capable, nous, ensemble, de s'arranger. Surtout une paix sans Dieu, on va le voir ensemble un peu plus loin. Et l'un des dirigeants mondiaux de l'ONU était venu et avait dit aux Nations Unies, il dit, mes amis, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On en a fini avec les 10 commandements. Les 10 commandements de la Bible, on n'en a plus besoin. Et vous savez quoi? Les gens, les dirigeants mondiaux ont applaudi. Ont applaudi. On n'a plus besoin de la loi, on n'a plus besoin de dire tu ne feras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne combattras pas, on n'a plus besoin de ça. Voilà le cri de l'humanité, on ne veut plus de Dieu. Il y avait un chanteur célèbre il y a quelques années qui est mort, il s'appelait John Lennon, et John Lennon avait chanté une chanson qui a fait le tour du monde, qui était un tube mondial, qui s'appelle Imagine. Vous connaissez Imagine? Amen. 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 Vous connaissez Imagine? Oui. Bouillez la tête. Voilà, pas même bouillez la tête. Imagine. Alors, John Lennon avait chanté cette chanson et dans cette chanson, il a dit, j'ai imaginé un monde de paix. J'ai imaginé un monde où la paix régnait, il n'y avait que de bonnes choses. Et c'était formidable, sa chanson, elle est très belle. Mais au milieu de la chanson, il dit, j'ai imaginé, j'ai rêvé un monde où la religion, sous-entendu Dieu, n'existe pas. Et les gens ont chanté cette chanson en boucle. On veut un monde de paix, un monde de joie, un monde de bonheur, un monde de vie, mais on ne veut surtout pas de Dieu. D'ailleurs, le symbole des années 70, c'était Peace and Love.
Vous savez, c'est un cercle avec une croix retournée à l'envers et brisée. Peace and love, l'amour et la paix. Mais sans la croix, sans Jésus, sans Dieu. Voilà ce que le monde aujourd'hui te propose. Il te propose une fausse paix, une fausse amour, sans joie et sans Dieu. Pour t'amener en enfer, pour t'amener à la perdition. Voilà ce que le diable propose à l'humanité. Voilà la révolte qui gronde dans les cœurs. Jésus va dire un peu plus loin, l'un des signes des temps de la fin. L'un des signes des temps de la fin. Vous êtes avec moi ? Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 24 et verset 12. Jésus va dire ceci, dans les temps de la fin, parce que l'iniquité, alors l'iniquité est un peu différente du péché. Le péché, eh bien, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. L'iniquité, c'est la désobéissance, mais de manière volontaire, absolue, au commandement de Dieu. Pour faire simple. Et Jésus va dire, parce que l'iniquité sur la terre aura accru. Le mot accroître, on va le traduire, très simple, comme un arbre qui pousse, ou comme un fleuve qui commence à grossir et à sortir de son lit. Et Jésus va dire, parce que l'iniquité dans les temps de la fin aura grandi comme un arbre, plutôt aura fait comme un fleuve qui va déborder en dehors de ses limites, parce qu'il y a une limite au péché, comprenez bien. Il y a une limite, non? Et cette limite, c'est quoi? Bien, c'est la morale, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est juste. Il y a quelques années, il y avait des choses qui se passaient. Vous savez, sous la terre, bon, tant pis, je dis les mots pour des adultes ici. Sous la terre, il y a toujours eu des homosexuels. Tout le temps. Ça a toujours été, hein? Depuis que le monde est monde. Mais il y avait une limite. Et cette limite, c'était cachée. Donc, il y avait un fleuve de péché, de souillure, mais ce fleuve était là, les gens savaient, ça répugnait tout le monde. Aujourd'hui, depuis 2 ans, aujourd'hui, non seulement ça ne répugne plus tout le monde, mais la société a marié aujourd'hui les homosexuels. Donc le fleuve commence à s'accroître. L'iniquité, elle grossit. Et elle déborde là où elle ne devait pas déborder. Elle va là où elle ne devait pas aller. Et aujourd'hui, c'est normal. Et vous savez quoi? Si aujourd'hui, je sais que les frères sont en train de filmer, quelqu'un est en train de filmer sur Facebook, vous savez que si ça... c'est filmé, et ça va jusqu'aux autorités, et que je dénonce ici, ou n'importe quel prédicateur dénonce ici que l'homosexualité c'est un péché aux yeux de Dieu, vous savez que ce prédicateur peut être passible de la justice. Le savez-vous ça? Hein Stéphane? C'est vrai? C'est vrai? Pourquoi? Parce que l'iniquité elle s'accroît. Il dit, parce que l'iniquité sera accrue. Il dit, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais de quel amour il s'agit? Il ne parle pas de l'amour que nous avons peut-être les uns envers les autres. Les gens s'aiment, vous savez. Hein? Les gens s'aiment. Les gens, ils s'aiment. Tout le monde s'aime. Il ne parle pas de cet amour-là. Il parle de l'amour que nous devons avoir envers Dieu. Les gens n'aiment plus Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Non, les gens même aujourd'hui détestent Dieu. Parce que la seule personne qui met un doigt accusateur sur leur péché, sur leur souillure, le seul livre qui dit que l'homosexualité c'est un péché, que l'adultère c'est un péché, que le vol c'est un péché, que la fraude c'est un péché, le seul livre, le seul personnage qui ose le dire, c'est la Bible. Donc la seule personne qui dérange aujourd'hui dans la société, eh bien c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est l'être qui dérange plus le monde aujourd'hui. L'iniquité est accrue comme un fleuve. Et l'amour a disparu, on n'aime plus Dieu. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là, vous êtes avec moi encore quelques minutes, Amen. Je prends encore 20 minutes, vous êtes avec moi? Amen. Jésus va nous dire que c'est dans ce contexte-là d'iniquité, où l'humanité va vivre sans aucune morale. C'est dans ce contexte-là que Jésus va dire qu'il va revenir. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des signes. Eh bien, le signe, il est là, il y en a plusieurs. Je ne prends que ce signe-là. Il y a plein d'éléments prophétiques dans la Bible. Et on pourrait en parler pendant des jours et des jours, croyez-moi. Mais je prends que ce signe-là, de l'immoralité, du péché qui s'accroît. Et d'ailleurs, Jésus va nous donner ce signe. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et verset 26, Jésus, en parlant de son événement, de sa venue, va dire qu'il en sera de même comme au temps de Noé. Au temps de Noé. Et Jésus va nous donner une information intéressante.
Il va y avoir autant de nourrir, les gens manger, les gens buvaient, se marier et marier leurs enfants. Et là, quand j'ai lu ce texte, moi j'ai dit, Seigneur, tu ne donnes pas forcément de news. Parce que ça, ça a toujours été, les gens sont toujours mariés, ont toujours bu. Et... je vois pas c'est quoi l'exclusivité là. Mais Jésus m'a incité à dire, ça sera comme au temps de Noé. Vous savez, depuis que le monde est monde, les gens se marient, les gens marient leurs enfants, ça ne change rien. Mais Jésus va dire, au temps de Noé, les gens vont se marier, mais il va se passer quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? On ensemble. Amen. On ouvre la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. Et nous allons lire le verset 11 et 13. La terre, au temps de Noé, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Pleine. Vous vous rappelez tout à l'heure le fleuve que je vous ai dit? Le fleuve qui commençait à déborder. Eh bien, la terre avait débordé de violence. Il y avait une violence sans précédent, une haine de ce qui est Dieu, de ce qui est spirituel, de ce qui est saint, avait complètement disparu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix, au temps de Noé. Et Jésus nous dit, écoutez bien, je fais un parallèle maintenant, de tout temps, il y a eu des pécheurs. De tout temps, il y a eu des choses sales sur la terre. Mais l'humanité réagissait tout de même. Les gens réagissaient. On dénonçait ces choses-là. Mais Jésus va dire, au temps de Noé, les gens ne dénonceront plus ça. Au temps de Noé, la souillure sera sur la terre, plutôt dans le temps de la fin, et face à cette souillure, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Eh bien, ils vont manger, boire, se marier, marier leurs enfants. Ça veut dire que, pour eux, c'est normal. Le signe des temps de la fin, l'un des signes des temps de la fin est celui-ci. C'est que face à un péché grandissant, que la terre n'avait pas connu comme au temps de Noé, l'humanité va vivre comme si c'était normal. La souillure s'étale partout. Écoutez bien, vous pensez que c'est fini? On a eu une loi, il y a deux ans, qu'on appelle la loi Taubira, qui est une infamie. Il y a une loi qui arrive l'année prochaine. La loi qui arrive l'année prochaine. Cette loi-là, elle est dans les cartons, elle est préparée, cette loi-là. On en parle depuis des années. Cette loi-là, on commence à en parler dans les écoles. Ce matin, j'étais à une réunion éducative pour mes enfants, et on commence à en parler dans les écoles. C'est une loi infâme. Et cette loi-là, vous savez ce qu'elle dit? Elle enseigne la théorie du genre. Elle va arriver en France. Elle va arriver. On va l'enseigner d'ici un an ou deux. Et cette théorie du genre, c'est quoi? C'est qu'on va dire à ton enfant, à ta petite fille, ou à ton petit garçon, on dira à ton petit garçon, t'es pas un petit garçon. Et on dira à ta petite fille, t'es pas une petite fille. Tant que tu n'as pas défini qui tu veux être, eh bien tu n'es pas ce que tu dois être. La théorie du genre. Pour enseigner à nos enfants, excusez-moi, eh bien qu'ils peuvent être, voilà, homosexuels, ce que vous voulez. Ça arrive ça. Les mots sont crus, mais sont vrais. Et écoutez bien, ils ne sont pas si crus que ça en fait, parce qu'ils sont tous les jours devant nous. Tous les jours, ils sont devant nous. Et ça, ça devient normal. Ça devient normal. Ça devient normal. Amen. Les signes du temps de la fin. Vous êtes avec moi? Amen. Ah, je vais sur la fin. Alléluia. Les signes du temps de la fin. Réveillons-nous ce soir. Amen. Au nom du Seigneur. Prenons vraiment conscience de ce que nous vivons. Alléluia. Soyons prêts à la venue du Seigneur. Amen. Plus que jamais. Plus que jamais. L'un des signes des temps de la fin, on va voir ensemble, se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et verset 24. Les disciples ont posé une question au chapitre 21 de l'évangile de Luc en parlant des temps de la fin. Et les disciples vont dire au Seigneur, mais Seigneur, quand est-ce que toutes ces choses vont arriver en parlant des temps de la fin, des catastrophes? Et Jésus, à un moment donné, va dire au verset 24, en parlant de Jérusalem, il va dire, il faut que Jérusalem soit foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le temps des nations. Jusqu'à ce que les nations de la terre
aillent finir leur office, leur travail, puissent accomplir leur temps, jusqu'à temps qu'ils aillent remplir la coupe de désobéissance, jusqu'à temps que le fleuve va jusqu'à une limite où il ne peut plus aller, il commence à déborder. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Jusqu'à ce que le temps, jusqu'à ce que les nations de la terre puissent avoir atteint un niveau de péché où Dieu dit maintenant c'est fini. C'est fini. Le monde va trop loin. L'humanité va trop loin. Maintenant je dis stop. Parce que j'aimerais vous poser une question. De manière très sérieuse. Vous pensez que le monde va continuer comme ça? Réellement. Vous pensez que la vie va continuer comme ça? Que le péché va aller tranquillement? Tranquillement, que tout va bien, c'est pas grave. Moi, je suis dans mon petit coin, je suis pas atteint. Mais vous pensez véritablement que ça va continuer comme ça? Tout ce péché qui s'étale devant nous? À un moment donné, Dieu va dire stop. Dieu va intervenir comme au temps de Noé. Il y a une limite. Il y a un palier où Dieu dit maintenant, la passion de Dieu s'arrête. Où le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. Et que tu l'aies décidé ou pas, Dieu va abattre ses jugements sur la terre. Et celui qui a rencontré Jésus, celui qui a fait la paix avec Dieu, eh bien, va échapper à ce jugement. Mais celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu, va subir le jugement de Dieu, va subir la colère de Dieu. D'ailleurs, dans le même chapitre de l'évangile de Luc, au chapitre 21, lorsque Jésus va dire, il faut que le temps des nations soit accompli, que le fleuve aille déborder. Et Jésus va dire, juste après, il y aura de l'angoisse sur la terre, parmi ces nations. Mes frères, mes sœurs, mes amis, j'aimerais vous annoncer quelque chose de vrai, parce que la Bible ne ment pas. J'aimerais vous annoncer un temps d'angoisse sur les nations. J'aimerais vous annoncer un temps d'angoisse sur le monde, un temps d'angoisse sur la France, un temps d'angoisse dans notre peuple. Et vous savez quand est-ce va venir ce temps d'angoisse? Lorsque Jésus va venir prendre son Église, parce qu'il va l'enlever subitement, de manière soudaine, un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Et là, je vous annonce quelque chose d'extraordinaire. Les morts en Christ vont ressusciter. Amen. Et nous, les vivants, ceux qui attendent l'époux, ceux qui attendent Jésus, eh bien, la Bible dit que nous partirons à sa rencontre. Amen. Dans les airs. Alléluia. Dans les airs. Et j'aimerais ici insister sur quelque chose. Jésus ne va pas venir prendre des baptisés. Si vous croyez ça, vous mettez le doigt dans l'œil, mais jusqu'à l'omoplate. C'est fait profond. Hein. Jésus ne viendra pas prendre des baptisés. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux être baptisé et tu vis dans le péché, dans le mensonge. Tu resteras sur la terre. Mon frère, ma soeur, tu peux prendre ta sainte scène tous les dimanches matin. Écoute-moi bien. Je préfère te dire la vérité ici qu'après la réunion, tu me parles dessus. Le prédicateur, il est bizarre, c'est faux. Tant pis, au jour du jugement, eh bien Dieu me dira, mais t'as fait ce que t'as à faire. Mais toi, tu seras jeté dehors. Tu peux prendre ta sainte scène tous les dimanches matins. Si tu ne parles pas à ton frère, à ta soeur, à ton ami, si tu as de la haine contre quelqu'un, tu es maudit, tu vas sur la terre. Tu peux prendre ta sainte scène tous les matins, mais si tu vis dans le mensonge et dans le péché, tu resteras sur la terre. Je vous rappelle une évidence biblique, Apocalypse chapitre 19 et verset 7, en parlant de l'Église, il dit, voici l'épouse, qui est l'Église. Qui fait partie de l'Église? Lève la main. Voici l'épouse qui s'est préparée. Amen. Amen. L'épouse, elle se prépare. Amen. Parce que l'épouse qui ne se prépare pas, eh bien, elle reste. L'épouse qui ne se prépare pas, elle ne part pas avec l'époux. Elle reste. Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans. Le même Jésus qui est venu sur la terre. Le même Jésus qui a déversé son amour sur la terre, sur toute l'humanité tout entière. Eh bien, la Bible dit dans Actes 17, 31, que le même Jésus jugera le monde. Le même Jésus. La question est-ce que tu es prêt à affronter ce jugement? La question est-ce que tu es prêt à affronter le jugement de Dieu? La colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Je prends mon texte d'introduction du psaume 2. Tout à l'heure, avant de fermer la parole du Seigneur, ensuite on va prier. Le psaume 2, tout à l'heure, je vous ai parlé de la révolte des nations contre Dieu. Vous vous rappelez? Les nations se révoltent. Ils dressent un point vengeur contre Dieu. On ne veut pas de Dieu. On veut s'émanciper, on veut se délivrer de son jugement. Regardez bien ce que la Bible dit, psaume 2, verset 9. Dans la continuité du chapitre,
Alors il les brisera avec une verge de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Dieu va venir et va juger la terre. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui n'es pas chrétien, sois. Je t'annonce une nouvelle de la plus haute importance. Dieu va venir sur la terre, il va juger la terre. Et si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, eh bien le jugement de Dieu va demeurer sur ta vie. La Bible dit dans l'évangile, dans l'épître de Jean, que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, en sous-entendu Jésus, eh bien la colère de Dieu demeure sur lui. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie ce soir. Toi qui marches n'importe comment, toi qui es chrétien, chrétienne, et qui es une vie de patachon, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Vous m'accordez quelques petites minutes et on pourra prier, Seigneur. Tu dois te préparer. Pourquoi? Parce que l'époux vient chercher sa fiancée. Et j'aimerais vous parler assez rapidement du mariage, pour vraiment vous mettre vraiment face à cette responsabilité. Jésus a dit à un moment donné qu'il allait venir chercher. Il parle, quand il parle de l'Église, il dit que l'Église c'est son époux, c'est sa fiancée. Et lui, il est l'époux, il est le fiancé. Et Jésus vraiment prend cette image parce qu'elle est très puissante. Dans la tradition juive de l'époque de Jésus, je ne sais pas si aujourd'hui, mais si ça a changé, mais dans l'époque de Jésus, c'était comme ça. Et ça avait demeuré comme ça pendant des siècles. Un jeune garçon, voyait une jeune fille juive. Il la voyait. Il parlait au cœur de la. J'ai intérêt pour toi. T'es d'accord? Père de jeune fille. Demeure à lui, la maison du Père, habiter là où elle est. Dieu pour venir dans notre lieu. De l'argent, il donnait ce qu'on appelle le droit de rachat. On va traduire une dot. Et donc, le père, grâce à cette dot, dit oui, tu as le droit de prendre la vie. Et donc, le jeune garçon donnait une certaine somme à sa fiancée. S'il donnait un cadeau de grand. Père, nous sauver. Amen. Et sur la. Chez sa fiancée. Vous savez ce qu'il faisait pendant un an? Il construisait une maison. Il bâtissait une maison. Il mettait un an pour la construire. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, il dit, je m'en vais. Amen. Il a dit pour son épouse, pour son église. Du jeune garçon qui. Il dit maintenant, maintenant va chercher ton épouse. Et ton épouse passer. Mais comme un entendu. Mais il y avait une règle. Donc.
arabe, ce que vous voulez. Chose. Je vis. Quand il appelle, je viens te voir. Toute la vie en miettes. Quand le fiancé arrive, c'est prophète. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans l'église ne regardent plus à Jésus, mais combattent autre chose, d'autres fiancés. Une fiancée, elle est indigne de son fiancé. Un chrétien, une chose indigne de Jésus. Désirer, aspirer à Jésus. Aucune chose, l'esprit. L'église d'appel. C'est dans la fin. L'église. Réveille-toi. Christ, réveille-toi. Alors. Ce qui est bien. Que Dieu fasse la justice, que tu pratiques la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. On t'a fait connaître. La seule alternative au jugement de Dieu sur la terre. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, on va prier dans quelques minutes. La seule alternative au jugement de Dieu, c'est ta repentance. Si tu ne te repens pas, tu restes sur la terre. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu restes sur la terre. La Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 5, que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce qu'il marcha avec Dieu. Dieu va venir chercher et prendre celui au ciel qui marche avec lui. Avec qui marches-tu? Comment marches-tu? On coupe les fronts ensemble pour les saluer. Alléluia.